Merde! Désolé, je suis en retard. Ça va être une bonne journée de merde. Alors, les démons de la semaine. Eh ben, on va commencer par le lundi. C'est Lucifer lui-même qui travaille le lundi. Ses horaires sont de 23h à minuit et de 3h à 4h du matin. Franchement, leurs horaires aux démons, elles sont cool. Sa mission, c'est la destruction dans tous les domaines. Quand vous lisez Jean, chapitre 10, verset 10, on parle du voleur qui ne vient que dérober, égorger et détruire. C'est ainsi, lorsque vous observerez la journée du lundi, vous verrez quelques lourdeurs. Les choses ne marcheront pas comme vous voudrez. En même temps, c'est lundi, hein. Vous avez encore la gueule du bois du week-end, vous n'avez pas envie d'aller bosser, le lundi c'est vraiment une journée de merde. Celui qui travaille le mardi s'appelle Nabros. Il bosse de 9h à 10h et de 21h à 22h. Sa mission ? Répandre l'honneur et la gloire de Lucifer dans ce monde. C'est lui qui pousse les êtres humains à faire les choses qui reflètent la gloire de Satan. Celui qui travaille le mercredi est Astaroth. Astaroth. J'avais pas cette info-là, en fait, quand j'ai fait l'épisode. Bon, vous pouvez toujours aller voir l'épisode, il est plutôt cool. Mais bon, les premiers épisodes sont pas ouf. Mais c'est pas grave, ça fait des vues. Bref, Astaroth est donc le démon de mercredi. Il travaille de 21h à 22h. C'est un petit feignant, faut pas se le cacher. Sa mission ? Répandre l'orgueil et la considération personnelle dans le monde. Par exemple, quand certaines personnes arrivent dans un lieu public, il faut qu'ils se montrent, qu'ils en mettent plein les yeux. L'orgueil précède la chute, et l'humilité précède l'élévation. Le diable lui-même a perdu sa place au ciel à cause de l'orgueil. Le jeudi, c'est Akam qui bosse, et lui, c'est un bosseur. Il travaille de 9h à 10h, de 21h à minuit, et de 3h à 4h du matin. Sa mission est de répandre la haine et la division au sein de l'église et des familles. Ça marche de pair avec le cinquième commandement de Lucifer qui dit « Allez répandre la haine et la division au sein de l'église ». C'est le seul qui a une description physique. Bon, à part Astaroth et Lucifer. Il apparaît sous la forme d'un homme vêtu de bleu, armé d'une épée à la peau rouge, chevauchant un cerf. Il surgit aussi sous l'apparence d'une belle jeune femme, à la peau rouge et couronnée de laurier. On le voit aussi comme un roi couronné, vêtu de bleu, marchant avec orgueil, celui d'un petit démon qui porte sa traîne et sa cape. Le vendredi, tout est permis. Non. Le vendredi, c'est Beke qui travaille. Il bosse de 23h à minuit. Encore un démon qui a la belle vie. Sa mission, détourner les gens de l'œuvre de Dieu. Et les soumettre aux richesses et à l'autorité de ce monde. Mais Beke n'est pas seul. Il travaille avec un démon nommé Panchar. C'est le démon qui coordonne les esprits des morts. C'est pour ça que dans les églises catholiques, il y a la messe des morts le vendredi. L'avant-dernier est Nabam. Il a deux missions. Pourtant, il bosse que de 23h à minuit. Sa première mission, pousser l'homme à l'entêtement. C'est ce démon qui pousse beaucoup de personnes à ne pas écouter les conseils qu'on leur donne, jusqu'au jour où ils verront les conséquences fâcheuses de leurs actes. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils se rappellent les conseils qu'on leur avait donnés. Par exemple, on te dit « ne triche pas », mais tu le fais quand même. Un jour, on t'attrape en train de tricher et on te donne 0 à l'examen. C'est à ce moment-là que tu commences à te rappeler les conseils qu'on t'avait dit. Eh oui, petit con. Certaines personnes relativisent en disant « quelquefois, les conséquences corrigent mieux que les conseils ». Mais faites attention, car les conséquences sont souvent différentes. Si par exemple, t'es en soirée, tranquille, tu fais la fête, et là tu trouvais quelqu'un à te taper. Tu n'as pas de capote, mais tu le fais quand même, parce que t'es un con. Mais tu le fais quand même. Sauf que cette personne, eh ben, elle a le sida. Oh, c'est cool ça. Bah là, les conséquences, elles peuvent pas être corrigées, hein. T'es dans la merde, mon gars. Donc, les copains, sortez couverts. Sa deuxième mission est de pousser les hommes vers le végétariat. En gros, nous pousse à faire comme nos idoles. Ça me rappelle la mode des chambalas. Tout le monde voulait emporter, car, je cite, « J'ai vu telle ou telle star emporter, donc j'ai envie de le faire. Putain, mais c'est d'une stupidité, achète-toi une personnalité et merde !» À la base, les chambalas sont des bracelets de prière tibétaine. Voilà. Quand la spiritualité devient une mode. Tragique. Et pour finir, Akiel, démon de dimanche.
Ah, mais n'attendez pas de suite, hein, j'ai aucune info sur lui. On peut donc conjurer ses démons chaque jour pour éviter de passer une journée de merde. Voilà, beaucoup de vulgarité dans cet épisode. Ça me plaît. Mais pas au robot YouTube. Bon, personne ne regarde mes vidéos de toute façon. Donc, la monétisation. Ouais, personne ne regarde. Depuis tant. Tant d'efforts. Tant de temps passé. Je fais du fric, putain, merde. Et je vais être célèbre. Alors, partagez, laissez-le. Petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et puis, c'est bon pour l'ego. C'était Nox. Pour vous avertir.